OK. Yo! Bonsoir, comment ça va? On a une invitée d'honneur cette semaine. Il s'agit de ma très chère Carole, Caroline, Caroline. Ouh. Yes! C'est fun, hein? Êtes-vous excitée? Êtes-vous content de la revoir? Ou vous êtes comme tabarnak? Crisse-nous à paix avec la Caroline. Écrivez dans les commentaires. Fait que cette semaine, Carole... Ah, tu veux qu'ils écrivent dans les commentaires qu'ils veulent plus voir sur ta chaîne? Ben, de préférence, non, là, s'il vous plaît. Ça serait le fun que vous l'aimiez parce que c'est ma meilleure amie. Fait que si vous l'aimez pas, c'est un peu malaisant. C'est dommage. Fait que là, cette semaine, on fait une vidéo qui tente full à Caro. Ça la rend full de bonne humeur. Hey, genre, quel concept incroyable, car c'est un génie, t'es un génie. C'est ça que t'es dit, hein? Non. C'est quoi que t'es dit? Moi, je me suis dit que tes abonnés allaient apprendre une nouvelle facette de moi. Parce que dans la vie, je suis crissement difficile. Ouais, fucking difficile. Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on va goûter à vos combinaisons de bouffe weird, louche, bizarre. Qu'on va être genre, ah, tu fais vraiment ça, tu sais? Parce que c'est ça qui est weird, c'est que c'est vraiment des combinaisons que vous, vous nous avez dit, mais que vous faites dans votre vie, genre. Il y a des affaires qui sont louches, il y a des affaires que j'ai espoir. Moi, j'ai rien vu encore. Ouais, c'est ça. Caro est pas au courant de rien, fait que c'est comme. On la laisse dans le néant. Parce que je pense qu'en fait, si Caro avait. Exact. Je pense que si Caro avait été au courant, il y a bien des affaires aujourd'hui qu'elle aurait faites comme arc, non. Non. Puis le but de la vidéo, c'est d'être déstabilisée et de découvrir des nouvelles combinaisons excitantes. Es-tu prête à jouer au jeu, Carole? Non. Non. C'est parti! Premier round! Wait. Le premier service, il s'agit de. Des petits craft dinner avec plein d'affaires vraiment weird dedans! Le premier, il y a du sirop d'érable. Fait que c'est craft dinner sirop d'érable. Mmm! Hey yo, c'est peut-être son tabarnak. Genre, je le mangerai complet, là. Non. T'aimes pas ça? Oh my god, ça commence mal. C'est genre la chose la plus simple, là. Ok, mais moi, pour vrai, 10 sur 10, genre. No joke, là. C'est sûr que j'en fais ça. C'est pas dégueu. C'est fucking pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, vraiment pas. Mais genre, je mangerai pas un bol. Ah! Ok, mais si t'aimes le sucré salé dans la vie, tu vas vraiment aimer ça. Prochain petit craft dinner, c'est... Avec la sauce soya. Avec la sauce soya. J'ai senti, là, de loin, là. Mais ça, pour moi, c'est moins pire que... Ah, moi, je pense que ça va être moins bon. Hé, hey, t'as genre toi qui fais des bonnes bouchées, non, là. Moi, je fais genre des... Là, tu vas goûter pour vrai, là. Mais je goûte pour vrai. T'as fait pas, là. Go big or go home. Ben, c'est ça, go big. Santé! Ah non, ordinaire. Ah non. Non, moi, j'aime pas ça. Ça goûte un peu, genre, de macaroni chinois. Ouais, ça goûte les nouilles chinoises. Mais, les nouilles chinoises? Ben, t'appelles pas ça même, toi? C'est un macaroni chinois. Ah, j'ai jamais dit macaroni chinois, tu me dis-tu? T'as toujours dit des nouilles chinoises? Des nouilles chinoises? C'est un macaroni chinois. Ok, est-ce que vous dites macaroni chinois ou nouilles chinoises? Prochain, nous avons celui-ci avec du ketchup. Moi, j'ai espoir, parce que moi, je mange mes cream cheese avec du ketchup, puis je me dis un peu la même affaire, mais en nouilles, genre. Santé. Ouais, on t'a moins. Avec tes trois nouilles à chaque fois. Oh non. Oh non, on s'en veut. C'est vraiment pas bon. Non. Ah non. Non, non, non. J'ai peut-être un peu abusé sur le ketchup aussi. Mais non. Je pense qu'il me faudrait un bol. Genre, ça va vraiment bon lever le cœur. Mais non, je te crée pas. Mais ouais. Je suis so sorry. Les gens qui font ça, c'est pas bon. Mais on a un dernier espoir. Non. J'ai craft dinner. Carl, avec du beurre de peanut. Moi, je suis sûre que c'est bon. J'ai un bon feeling. Surprenant. Ok! Mon cœur. Oh! Tu sais, quand tu manges de quoi, là, pis genre, ça, tu sais, ça te pogne ici, là? Les craft dinner, moi, mon préf, c'était avec sirop d'érable! Caro, je pense qu'elle a tout détesté. Vous êtes pas bien, là, ceux qui mangent ça, là. Genre, je peux pas comprendre. Genre, je sais pas. Genre, je sais pas à quel moment tu t'es dit, je vais faire ce mix-là, pis ça va être. Tu sais, genre, je vais manger ça, pis c'est vraiment bon, genre. Ok, prochain service! Est-ce que t'es prête? Prochain service, pas sûr de comprendre, de l'ail avec du miel. Donc, y'a aucune chance qu'on mange ça, là. Ben oui. Non, non. Ben oui. C'est un mélange d'un abonné qui a écrit ça, qui mange ça comme ça, lui-là, là. Are you ready? Pas super. Non. C'est bon pour la santé de l'ail, hein. T'es prête? Caro est dans le regret en ce moment, elle est comme, moi, je vais plus jamais être une genre, j'ai aucun plaisir. Elle va nous choquer le reste du mois, là. Ok, go, go, merde, en taillade. Vite, 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 vite. Oh, non, non, non. Non, non, non. C'est bien violent. Caro, elle va mourir, là.
Hey, c'est sûr qu'on perd Caro d'ici la fin de la vidéo, là. Prochain mix, guimauve et humus. Je ne comprends pas à quel moment tu t'es dit, j'ai de la guimauve, j'ai de l'humus. Moi, j'ai ça. Sûrement qu'elle avait plus de crackers quand elle s'est dit qu'elle voulait manger son humus. Fait que t'as ta guimauve. Non, mais le COVID a été dur, là, pour tout le monde. Là. Oh, ça a pas été facile. Cheers! Va chier. Arrête, t'es gueule, arrête, je peux pas la regarder. The fuck. C'est dégueulasse. C'était même pas un peu bon. J'ai aucun plaisir. En tout cas, moi, je pense... C'est qui a eu cette idée-là? Ben, moi, je pensais qu'il allait avoir des mix qui allaient être surprenants. Tu sais, ma date, c'est comme... C'est décalissant, genre. C'est décalissant. Mais j'ai espoir pour les prochains trucs. Fait que le prochain truc, c'est une pizza avec des cornichons dessus. Puis on m'a dit qu'il faut vraiment que je fasse cuire les cornichons avec la pizza. Ça doit pas être... C'est des cornichons sucrés? Non, c'est des cornichons à la nette. Ok, mais ça, je... Ah, tout bon. Mais là, quelle réaction incroyable, Caro, on s'en attendait pas plus. C'est ce qu'il y a de moins pire ce que j'ai mangé à date. Parce que j'aime fucking, j'aime vraiment, vraiment les cornichons. Ouais. Ok, mais là, par exemple, on est ailleurs. Pizza avec fraises. Alors, c'est ça. Cheers. Cheers. Ah, j'aime ça, moi. Oh. Toi, tu t'es dit je... Elle a aimé ça, là. Ah non, moi, j'aime vraiment ça. Ben, j'aime plus ça que les cornichons. Moi aussi. J'ai envie de prendre une dernière bouchée, puis après ça, prochain service! Prochain service! En fait, vous avez été plusieurs à nous conseiller des petits extras sur nos melons d'eau. On a, premièrement, les épices à steak, que je pense que ça pourrait être bon. Ça, ouais. Mais comme un shot, tu sais, mettons, des fois, tu prends des shots. Ouais. Sinon, c'est melons d'eau et melons d'eau et paprika. Je sais pas. Ok, on commence avec lui? Ouais. Ok, santé! On dirait que ça se mixe pas. Ouais. Ça goûte genre le melon, puis les épices à steak. Ouais, c'est vrai. T'as raison, c'est vrai. Ça se mélange comme pas. Genre. Ouais. Ok, prochain. Je sais pas comment t'en as mis, mais on dirait que t'as fait genre, je vais faire une montagne, puis je me vois juste faire genre, pour le genre, m'étouffer avec le paprika. Ah, c'est bon! Ça s'est full mélangé, genre. Vraiment bon, j'ai Mais ouais, moi aussi, j'aimais ça. C'est genre ça, je le ferais. Yes! Pour vrai. Ouais, puis je trouve que ça rajoute une petite décoration, genre, t'as l'air fancy. Tu sais, attends, t'arrives avec un plateau. De la salade. Oui! Tu sais, t'arrives avec un plateau de melon d'eau coupé, genre, avec une petite bouche de rouge. Là, tout le monde est comme, miam de la cannelle! Ouais, tout le monde est comme, oh my god, ils ont un coupe quelque chose sur le melon d'eau, qu'est-ce qui se passe? Prochain service, je trouve douteux. C'est une toast avec banane et mayonnaise. Oh non. C'est pas moi qui ai créé cette combinaison, c'est eux. Guys, c'est pas vrai. Les gars, sacrement. Alors, j'aime tellement la mayonnaise, en plus j'ai l'impression que ça va genre briser la relation que j'ai avec la mayonnaise. Non, peut-être qu'on va être surprise. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut être surpris, je trouve. Non. Non. Ah, peut-être. Ah, peut-être. J'ai aimé le goût final, on dirait. T'as repris une bonne boule. Non, mais c'est pas si pire, pour vrai. Genre, il y a un petit goût final que genre j'ai apprécié, honnêtement. Prochain service, c'est un service douteux. Ça, je suis down. Ok, alors, on nous a conseillé, et je pense que ça fait super bien avec moi pis Carole, parce que moi pis Carole, on adore la bière. Donc, céréales avec bière dedans. T'es down, ouais. Hein? Je pensais que ça allait t'écœurer, là. Puis après ça, tu sais quoi? Parce qu'on va la boire, ouais, c'est ce que j'allais dire, mais j'ai comme, c'est sûr qu'on la boit. Parce qu'on dirait dans ma tête... Tu sais, exemple, tu manges pis tu bois en même temps, tu sais, c'est comme... Ok, toi, tu perds pas de temps, ça. T'es comme, tant qu'à manger pis boire, on va manger pis boire. Très santé, ma chère! Je te donne, j'ai une bonne, là. T'aimes ça? Ah non, moi, j'aime vraiment pas ça. Bah. Ah, c'est dégueulasse. Mais c'est parce que premièrement, c'est genre des céréales super santé, là, fait qu'on dirait qu'ils sont pas vraiment sucrés. Ouais, mais c'est parce que c'est comme des grosses granolas, C'est des grosses granolas, genre, ouais. Full santé, avec une bonne bière. On aurait dû ajouter un petit quartier de lime dedans. Oh, ça aurait été cute! Full fancy, genre, pour déjeuner le matin. Prochain service! Ah, encore? Oui. Vous m'avez conseillé une galette de riz aux tomates avec fromage Philadelphia et cornichons sucrés dessus. C'était bien important, sucré.
Moi, j'ai un bon feeling. Fait qu'on va te couper ça en deux, est-ce que on va te mettre ça dans la gueule, pis oura, épépip, oura. Oh mon dieu, les gars. Vas-y. Go. J'entends ta réaction. Non, je vous rajoute pas, non, tu te prends pas. Mmh, ça. C'est très bon. Prochain truc, on est sur une trempette d'Oreo. Fait que là, vous avez été plusieurs à nous dire Oreo trempé dans de la salsa. Ça, par exemple, je suis un peu dans. Mais c'est juste parce que t'aimes fucking les Oreo. Puis la salsa, j'aime ça. Fait que je me dis, ça va être pas si pire. Pour moi, t'as pris un peu mon médium, fait qu'elle est un peu piquante. Are you ready? Bye! Pourquoi je dis bye? Ouais, non. Non, un peu de seconde. Non. Merde! Fait que vous nous avez dit Oreo trempé dans le jus de pickle. Même moi, je l'ai écrit dans les trucs. Ah oui, t'es prête? Fait qu'il faut laisser tremper un peu, là. Vite, vite, vite! Hey, tabarnak, tu le trempes. Hey, il trempe, hey, là! Jamais, elle trempe pas pour vrai. J'ai trempé moitié, là. Ok, go! Tout dans les... Ah, c'est fucking bon. Ah, vraiment bon. Ah, j'aime vraiment ça pour vrai. Ça fait que les biscuits, ils font full dans la gueule. C'est vraiment bon. T'aimes-tu ça? Mais voyons donc. Te grippe pas. L'autre chose, c'est une chose qui m'écœure moi personnellement. C'est du yogourt, hein? Vous avez été nombreux. Ouais, vous avez été nombreux à me dire yogourt aux fraises avec de la moutarde. Ça look vraiment un vomi. Ah! Ah, mais c'est même pas mauvais. Je suis vraiment moins surprise. Pire, pour vrai, c'est moins pire que les pickles, c'est moins pire que les Oreos. Moi, c'était un des pires de la vidéo qui m'effrayait. J'étais comme, ah, que genre, je ferais jamais ça dans la vie. Puis vois-tu, c'est quand même ben, bon. J'en mangerais pas dans la vie. Non, mais je trouve que ça préfère une bonne sauce salade, genre une sauce quelque chose, genre. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel! Prochain service! T'es-tu excitée? Non, toujours pas. Il reste 4 affaires à goûter la gang. Caro est traumatisée parce que c'est 4 affaires quand même spéciales. On est sur le dernier service, fait que je me suis gâtée. Alors, nous avons les Cheetos dans le yogourt aux fraises. Ça, pas si pire. Me pas tant. Ça, c'est pas si pire. Ah! Yo, c'est bon! Non, c'est bon, là. C'était fucking bon, moi j'ai vraiment aimé ça. T'as-tu qu'est-ce que qui fait que t'aimes autant ça? Quoi? Moi qui est traumatisée, qui essaie de parler. Ben ça oui. L'enlève un peu le piquant. Ah, peut-être, ouais. Mais ça fait très, à cause que le yogourt est à la fraise, ça fait très aussi sucré-salé. Puis moi, je suis vraiment très sucré-salé dans la vie, j'aime vraiment ça. Ça, mine de rien, ça a l'air d'être des petits sushis normales, mais non. Nous m'avons conseillé à la maison, vous ne savez pas quoi, Caroline. Oui, sushis végétariens et vinaigre. Mais quel calice de gaspillage de sushis. Par chance, il y en a d'autres. T'es prête? Ouais. Ok, go. Oh, c'est dégueulasse. Je crache ma bouffe. Je crache ma bouffe. Je crache tout grandir. Ben non, la gang, on met pas du fucking vinaigre dans les sushis. C'est quoi cette petite buzz de merde là? Moi là, on met quelque chose au cœur avec vous là. Vous êtes bizarre, mais vous êtes vraiment weird pour vrai. On m'a conseillé, et je ne suis pas sûre de comprendre, jus d'orange et mayonnaise. Oh non, d'autres là. C'est pas moi, Caro! C'est pas contre moi qui dois t'en prendre. C'est vrai, contre là. Eux. Santé! C'est vraiment pas super. Le dernier, non le moindre, c'est lui qui promet le plus. Nous avons des sardines. Non. Et de la moutarde. Non. Mais je nous ai fait des petits morceaux de rien. Non. De rien. Ça va bien se passer, ma chum. Prends plus petit. Je peux pas. Ça goûte le thon avec un goût encore plus de mer, mettons. Quelle belle fin, la gang! Une bonne main d'applaudissement pour nous. Caro vomi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'elle vous a rendu bonne humeur. Like, subscribe, and share, and follow, and partage, and abonne-toi à Caro. Écris dans les commentaires, Caro, s'il vous plaît, reviens la semaine prochaine. Never give up. T'as-tu quelque chose à dire, Caro, pour un mot de fin? Plus jamais. Plus jamais! Merci, bye-bye! À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ah, t'as dit la semaine prochaine, tu vas revenir? On verra. On verra. On verra. Elle est plus capable de parler.